OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, il est T31. OK, quelques petites idées. Sur le site, je voulais vous montrer, là, mais j'ai un petit peu de difficulté ce matin à utiliser Blackboard. Mais sur Blackboard, je voulais juste vous dire que j'ai commencé à ajouter un peu de texte. Il y a un nouveau menu à gauche qui apparaît qui s'appelle « Contenu ». Si vous allez là, vous allez voir « Semaine par semaine ». Blackboard n'est pas toujours intuitif, mais si vous cliquez sur le texte qui dit « Semaine due », si vous cliquez sur ce texte-là, vous allez avoir accès à du matériel écrit. Donc, au prochain cours, peut-être que je reviendrai là-dessus. Est-ce qu'il y aurait des questions générales sur le devoir? Pas encore? OK. Donc, essayez. Peut-être ce week-end, là, essayez. Bien, ouais, c'est le fun, programmer les week-ends. Moi, j'aime ça programmer. Mes collègues aussi, j'ai un de mes amis là, qui enseigne, qui travaille en vision, puis qui enseigne les cours de génie logiciel, puis il est comme moi, là, quand il veut se récompenser, se donner un petit bonus, là, il se permet de programmer quelque chose, là, c'est une récompense. J'espère que c'est comme ça pour vous autres aussi. Donc, on va poursuivre la présentation puis la discussion sur l'héritage. Je pense que ce qu'on a vu au dernier cours, c'était un aspect de l'héritage qui est assez naturel. C'est un aspect où on a dit l'héritage, ça sert à structurer le code. Dans quel sens? Dans le sens où s'il y a un ensemble de classes qui pourrait bénéficier d'obtenir du code en commun. Donc, ce n'est pas très bien dit, ça, mais une classe comme les comptes bancaires, j'ai plusieurs types de comptes bancaires. Clairement, toutes ces classes-là ont des caractéristiques en commun. Je peux prendre tout ça, mettre ça dans une super classe que je vais appeler compte bancaire, et automatiquement, par principe d'héritage, toutes les sous-classes vont hériter des caractéristiques communes. Vous prenez pas mal de cours de maths. Moi, je vois ça un peu comme une mise en facteur. J'ai toutes ces classes-là, ils ont quelque chose en commun. Je prends ça, je mets ça en facteur, c'est en haut, puis c'est hérité de façon automatique. Au niveau de la syntaxe, on a vu que c'était pas particulièrement difficile à exprimer. On peut peut-être aller sur l'ordinateur une minute ou deux. Donc, si je vous remonte ce qu'on avait pour la classe Shape. Donc, on avait parlé d'un problème de forme géométrique. On avait dit toutes les formes, on souhaite qu'ils aient un X et un Y. On a donc créé la superclasse Shape. Au niveau de la superclasse, il n'y avait rien de particulier à faire. On lui a donné des variables d'instance, des attributs, ses constructeurs, des méthodes d'accès. Et quand on a souhaité que la classe Circle soit un sous-type, une sous-classe, une classe dérivée de la classe Shape, on a simplement ajouté à sa signature Extends Shape. En faisant ça de façon automatique, les variables définies, les méthodes, on les obtenait dans la classe dérivée. Dans la classe dérivée, on a ajouté des caractéristiques, entre autres un cercle, c'est une forme géométrique qui possède un rayon. Fait que cet aspect-là est assez naturel, on a travaillé avec, on s'est déclaré des variables, ici c'est D de type cercle. On a été en mesure de créer des cercles, on a été en mesure d'appeler les méthodes soit définies dans la classe ou soit les méthodes qui étaient, oups,
un petit peu trop d'enthousiasme ici, ou les méthodes qui étaient héritées de la superclasse. Okay, donc, ça, c'est ce qu'on a essentiellement fait au dernier cours. Oui? Les enfants vont hériter des méthodes implémentées dans la superclasse. Prochain laboratoire, c'est exactement ça. Ça va être, je vous propose une compagnie qui s'appelle Gazouille, comme Twitter. Puis, on implémente une application où il y a des gazouillis, des tweets. Puis on va faire en sorte qu'il y a une super classe qui s'appelle Post, qui implémente des choses comme Likeable, puis des choses comme ça. Puis les sous-classes vont hériter des méthodes qui ont été implémentées dans la super classe. OK? Oui? C'est par rapport au labo d'hier. Oui. OK. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on parle? Bon, comme on a parlé de la bouche, Oui? OK, c'est juste que ça, si on fait des temps plein, ça ne me dérange pas d'en parler. Ça me fait plaisir d'en parler, mais si on fait des tangentes comme ça, c'est impossible de suivre où est-ce qu'on s'en va. OK? Donc, oui. Pardon? Est-ce que vous voulez une question par rapport au mot-clé 10? Oui. OK, oui. Ils t'ont autorisé. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que ça allait pas compiler. On peut revenir ici, là, brièvement. Encore une fois, c'est un peu mon travail, là, de vous ramener à l'ordre pour qu'on progresse, là. Mais si j'ajoute ici, public, set, radius, c'est un double, ça? Oui, double, radius. Comme ça, si j'écris, donc ici il nous manque un petit void, si j'écris radius égale radius, ouais, ce sera pas bien long, dans lequel? Ah, OK, bon, ça, c'est une nouvelle méthode. Oups, radius. D-us, right? OK, donc si j'ajoute ça, ça compile. Ça compile, puis essaie-le. Oui, j'ai essayé, puis ça compile. Ça compile. Oui, c'est supposé compiler. Mais ça fait une connerie. Ça dit, prends la valeur qui est dans le paramètre, puis refous-la dans le paramètre. Puis là, tu regardes ta variable d'instance. « Ah, elle n'a pas de valeur. » Ben oui, elle n'a pas de valeur. Tu n'y as jamais affecté une valeur. This radius égale radius. Prends le paramètre, mets dans la variable d'instance. C'est bon? Oui. Compiler, là, vraiment, dans ce cours-ci, là, c'est le dernier de mes soucis, dans le sens où ça devrait vous prendre un rien de temps à trouver des erreurs de syntaxe. Erreur de syntaxe, compilateur vous l'a dit. Il y a une erreur là, il y a une erreur là, il y a une erreur là. Les vraies erreurs dans ce cours-ci sont des erreurs de logique. Il n'y a pas de valeur qui a été affectée dans la variable d'instance radius. Pourquoi? Ah, ben oui, parce que je ne lui ai jamais affecté une valeur. OK. Je reviens de l'autre côté. OK, donc on a parlé d'héritage, puis on va poursuivre avec l'héritage. Donc, je saute là où on en était. On a parlé de différents aspects, là, mais vraiment,
L'héritage tel qu'on en a parlé, je pense, est un concept assez intuitif. On a mis en haut dans une superclasse du code des variables, toutes les sous-classes donc s'ils sont des sous-classes, ça veut dire qu'ils ont le mot-clé extends. Donc, toute classe qui est dérivée de la superclasse a les mêmes caractéristiques, possède les mêmes variables d'instance, possède les mêmes méthodes. Ça, c'est la partie très, très intuitive. L'héritage nous permet de faire quelque chose qui est plus fort un peu que ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, c'est pratique. On a mis en facteur du code. Il est hérité de façon automatique. C'est utile aussi parce que au moment où je détecte qu'il y avait un problème avec ma méthode getX, je la corrige à un endroit dans la superclasse. Automatiquement, toutes les sous-classes héritent d'une copie corrigée. C'est beaucoup plus agréable que de dire « Je m'étais trompé dans toutes mes méthodes getX, je vais dans circle, rectangle, triangle, etc. » puis je change le getX. C'est assez aberrant. Je vais possiblement oublier de faire une modification. Donc, c'était utile d'avoir le code à un seul endroit. Ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle du polymorphisme en informatique. Donc, poly, plusieurs, puis morphe comme forme, plusieurs formes. Ça va nous permettre de faire des choses où il y aura du code, puis on va pouvoir l'appeler sur des éléments, des entités, des objets de différentes classes. Okay? Donc, en informatique, quand on parle de polymorphisme, c'est qu'il y a un nom, généralement un nom de méthode, puis ce nom-là est un nom de méthode qu'on peut utiliser sur différents types d'objets. Il y a une forme de polymorphisme qui est un peu, on l'appelle ad hoc, est pas mal moins intéressante comme forme de polymorphisme. C'est la surcharge de noms. Tout ce que ça veut dire, c'est on donne plusieurs implémentations à une même méthode. On a vu qu'on pouvait avoir plusieurs constructeurs avec le même nom. Ce qui était important, c'est qu'il y a des signatures différentes. Pas d'argument, un argument, deux arguments, etc. Donc là, le nom du constructeur est surchargé, dans le sens qu'il y a plusieurs implémentations pour le même concept. Il n'est pas intéressant dans le sens où il faut aussi fournir plusieurs implémentations. C'est intéressant d'utiliser le même nom. On ne voudrait pas avoir des choses comme méthode 1, méthode 2, méthode 3. Ils font toutes la même chose, mais parce que le langage ne nous permettait pas d'avoir des méthodes avec le même nom, on a artificiellement donné un suffixe comme ça. On va voir deux autres formes de polymorphisme. Aujourd'hui, on va voir polymorphisme par sous-typage ou par héritage. Puis au prochain cours, on va voir les types génériques de Java qui sont, à mon sens, encore plus intéressants que le polymorphisme de sous-typage. Donc, je parlais de polymorphisme par surcharge de noms. Java lui-même utilise cette idée-là. Dans la classe PrintStream, il y a une méthode println, puis en fait, elle possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a même une neuvième puis une dixième. Il y a 10 implémentations différentes. Toutes ces méthodes-là ont le même nom, mais il n'y a pas d'ambiguïté pour le compilateur parce que chacune de ces méthodes-là possède une signature différente. Quand j'écris System Out Println, puis que je lui passe 1.0, tout de suite, c'est celle-là.
Pour le compilateur, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Le paramètre était de type double. J'appelle la méthode qui a un paramètre de type double. Si c'était print avec une valeur booléenne, j'appelle celle-ci. Okay, donc, ça, c'est juste intéressant d'avoir ce mécanisme-là dans le langage que je n'ai pas eu à avoir des méthodes. Une méthode qui s'appelle print char, print double. Là, ça devient lourd. Donc, on nous permet d'utiliser le même nom. Il y a surcharge du nom. On l'utilise dans différents contextes. Des exemples, ce serait comme ça ici. J'ai trois méthodes sum. Je ne voulais pas avoir sum qui a deux arguments de type entier, sum qui a trois arguments de type entier, puis leur donner des noms différents. C'est la sum. Fait qu'ici, Java nous permet de surcharger le nom sum pour autant que la liste des paramètres soit différente. Comme ça, il est simple pour le compilateur de choisir la méthode. Okay? Donc, ça aussi, je pense que c'est assez ordinaire comme concept. Là, je pense que c'est simple. Oui? Au moment de la compilation, le compilateur, il voit ton code. Tu as appelé la méthode sum, puis les deux paramètres étaient de type double. Ah, c'est celle-là. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté là. Donc, c'est pas, il n'y a pas de défi pour le compilateur à ce niveau-là. Je vous propose maintenant, on revient à nos formes géométriques. Donc, on a une superclasse shape, triangle, cercle, etc. Je veux implémenter une méthode isLeftOf qui est à gauche de, qui va retourner vrai si une forme géométrique est à gauche d'une autre. Non, c'est à gauche de celle-là. Comment je fais ça au niveau de l'implémentation, là, vraiment juste en mots, là. Comment je vais faire ça? Vous contrôlez la vitesse. Si vous répondez vite, ça va vite. Si vous répondez pas vite, ça va lentement. Une forme est à gauche d'une autre si... Mais encore, position un petit peu plus précise. Son X est plus petit que le X de l'autre forme. Oui? Puis là, ici, les mots clés, les mots importants vont être que toutes les formes géométriques doivent avoir ça. On veut être en mesure d'écrire des choses comme ça. Donc, j'ai C1, C2 sont des références de type circle. J'y dépose la référence d'objet de la classe circle. J'appelle la méthode isLeftOf de l'objet désigné par C1 en lui passant la référence C2. Puis là, il me dit si c'est à gauche ou pas. Je vais être en mesure de faire la même chose pour des rectangles. R1, R2, référence de type rectangle. Je peux sauvegarder la référence d'objet de cette classe-là. Puis là, j'appelle la méthode isLeftOf de l'objet désigné par R1 en lui passant la référence R2. Mais je veux aussi faire des choses comme ça. Je vais être en mesure d'appeler la méthode isLeftOf de l'objet désigné par R1, donc un rectangle, en lui passant la référence C1 d'un cercle. Je vais être en mesure de comparer, de me poser cette question-là pour toute forme géométrique. Ça devrait être clair que c'est possible. Ils ont toutes des caractéristiques communes. Je propose quelque chose d'un peu bête, puis vous me dites ce que vous en pensez, ou quelque chose de très bête.
j'utilise la surcharge de nom. Je vais avoir plusieurs méthodes isLeftOf, puis chaque méthode a un paramètre différent. Qu'est-ce qui est bête avec cette idée-là? Qu'est-ce qui est absurde? Ouais. Donc, si j'avais maintenant des triangles, il faut que j'ajoute un cas. Imaginez la situation où on a livré ce logiciel-là, puis maintenant, parce que le client était aussi un programmeur, le client dérive maintenant une sous-classe, Polygon. On va demander à ce client-là d'aller modifier puis d'ajouter maintenant un nouveau cas pour Polygon. Pas agréable. Donc, tu as tout à fait raison. Il y aura autant de cas qu'il y aura de sous-classes de shape, donc ce n'est pas intéressant. Il y a un autre élément qui est vraiment bête aussi. Ouais. Toutes les implémentations vont être identiques. C'est vraiment là, c'est absurde d'avoir plein d'implémentations qui sont toutes identiques. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour corriger la situation? Oui. On met une implémentation dans la superclasse. C'est quoi le type à ce moment-là pour le paramètre? Comment est-ce qu'on va dire que c'est n'importe quelle forme géométrique? Oui. C'est plate, hein? C'est assez naturel. Hein? Quelle question, voyons. Est-ce qu'on pourrait mettre shape là? Paramètre S de type shape. OK. Vous êtes décompilateur. Vous regardez ça. Vous dites S est de type shape. Est-ce que S aura une méthode getX? Oui, ça c'est valide. Donc, oui, c'est la solution. On peut avoir un paramètre S de type shape. isLeftOf est défini dans la superclasse shape. Oui? C'est l'appel de la méthode d'instance getX de l'objet duquel on a appelé la méthode isLeftOf. Oui? Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il y a juste une méthode qui s'appelle getX. Tu peux le mettre, ça va fonctionner. Juste, moi, je fais attention à mes ongles. Quand je tape, ça abîme mes ongles sur le clavier. Donc, j'essaie de taper peu. Donc, je sais qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Je n'avais pas besoin de le mettre. Je ne le mets pas. Okay, mais ça fonctionnerait. Ça dirait, appelle la méthode de cet objet-ci. Tout à fait. OK. Regardons. Je me suis créé une petite classe test. Si c'est une référence de type circle, je peux y sauvegarder la référence d'un cercle. R est de type rectangle. J'y sauvegarde la référence d'un rectangle. Est-ce que ceci est valide? Puis comment on analyse cet énoncé-là? Oui. C est de type shape. C est de type circle. Oui, mais qui est une sous-classe de shape. Donc, C forcément possède une méthode isLeftOf puisque C est de type circle. Circle est une sous-classe. A hérité de la méthode, c'est impossible qu'il n'y en ait pas une. Super. R de type rectangle, sous-classe de shape. Peut-être que tu as raison.
Je ne sais pas si tu doutes, là. Non? Tu ne doutes pas? C'est bien d'avoir confiance. J'aime ça. Si ce que tu me dis est vrai, est-ce que tu es d'accord que je peux écrire ceci? Pourquoi ça fait? Regarde, rappelez-vous, je suis tout le temps très précis. Appel de méthode. Créer un bloc de mémoire pour l'exécution de la méthode. Prends la valeur du paramètre actuel, copie dans le paramètre formel. Il y a une copie qui est faite. Si tu me dis que ça, c'est bon, je peux prendre la référence d'un objet dont la classe, c'est rectangle, copier la valeur dans le paramètre qui est de type shape. Pour moi, c'est la même chose que ça. Il y a zéro différence. Un peu plus de confiance. Tu avais raison. Tu avais raison. C'est bon. Ça, c'est bon, puis ça, c'est bon. Donc, j'ai insisté souvent quand il y avait une question derrière qui était « Est-ce que S, c'est shape, c'est un objet shape? » Non, je vous disais, S est une référence qui peut désigner des objets. Quels objets? Des objets qui sont compatibles avec ce type-là. Donc là, qu'est-ce que le compilateur y fait? Puis tu m'as dit un très bon, tu avais une bonne réponse ici. Tu as dit, il est logique d'appeler la méthode isLeftOf de C parce que C c'est un cercle, forcément ça a une méthode comme ça. Quand j'utilise S de type shape, c'est comme avoir des lunettes qui me permettent de voir l'objet seulement comme shape. Je vais quand j'utilise S, le compilateur va dire S.getX. Il va dire parfait, shape déclare une méthode getX. Ceci est une opération valide. OK, donc, oui, c'est valide. Et oui, ceci fonctionne. Oui. Si, par exemple, on déclare S, tu peux créer un bloc mémoire pour S. Il y a certaines méthodes où on peut affecter S. Right? Si la sous-classe R, on rajoute des méthodes, on rajoute des paramètres si on veut. Donc, forcément, rectangle a plus de méthodes que shape. Il y a get radius. Je ne connais pas mes formes géométriques. Get width, height, ces choses-là. C'est pas un problème. Parce que quand tu utilises S, tu vas seulement utiliser les noms de méthodes qui sont définis dans la classe shape. Si tu essaies de faire autre chose que ça, le compilateur va dire « Wow! » Non, non. Les méthodes sont tout le temps dans l'objet lui-même. C'est quelque chose qu'on va parler à la fin. C'est vraiment ici une idée de compilation. Ça dit, y est-tu logique de sauvegarder la référence d'un rectangle dans une variable de type shape? Ben oui, parce que quand je vais utiliser S de type shape, je vais utiliser des noms de méthodes qui sont connus à rectangle, parce que rectangle est une sous-classe, les a hérités. Oui, derrière? Il n'y a pas de perte d'information. L'objet a une identité qui lui est donnée quand on fait « new ». « New rectangle », là, on va voir la définition de la classe rectangle, puis on crée un objet rectangle. Le fait de regarder ce rectangle-là avec une référence « S », ça ne change pas son identité. Il reste un rectangle. Tout ce que ça veut dire, c'est quand j'utilise « S », je vois de cet objet-là les méthodes qui ont été définies dans la superclasse seulement. Les autres, je ne les vois pas. Puis tout ça se fait au niveau de la compilation seulement. Ouais. Donc, si on fait que S est égal à R, est-ce qu'on peut quand même avoir get-width, get-height? Non. Non. Ce n'est pas que tu ne les perds pas. Il les a.
Mais au niveau de la compilation, le compilateur est bête. Il regarde un énoncé à la fois, il ne comprend pas ton code. Il dit s.getWith. Es-tu fou? GetWith, je ne vois pas ça dans la classe Shape. C'est vraiment aussi simple, bête. Un compilateur, ce n'est pas très intelligent. Oui? Oui, quand on veut voir ces caractéristiques de rectangle, j'utilise R. Il y a vraiment peu de situations où on aurait vraiment « Oh, j'ai R qui désigne l'objet, j'ai S qui désigne l'objet. » Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ça se passe du fait que… Oups, là j'essaie de revenir en arrière. Ça se passe du fait qu'on a défini dans la superclasse une méthode isLeftOf qui est un paramètre shape. Puis quand on a appelé, il se trouve que ici, on a passé la référence, on a utilisé du code qui avait été défini dans la superclasse, qui avait un paramètre qui était du type de la superclasse. Mais il n'y aurait pas d'utilité dans le code d'avoir à la fois une référence rectangle puis une référence X. Est-ce qu'on pourrait aller dans l'autre sens? Est-ce que ce serait logique d'aller dans l'autre sens? Je cherche juste mon petit... Est-ce que ce serait possible de dire R égale S? Pas du tout, parce qu'évidemment, dans le code, on utilise des énoncés de la forme R.getWith, getHeight. S est de niveau plus général, pourrait désigner un cercle. J'aurais déposé dans la référence R la référence d'un cercle. Je serais dans le trouble. Au moment de l'exécution, je pourrais me ramasser avec un objet qui n'aurait pas les caractéristiques, les méthodes voulues. Donc, juste un instant. Donc, S égale R fonctionne. R égale à S est un non-sens. Oui? On fait pas, on a une erreur de compilation. Non, non. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les objets ont un objet né d'une certaine classe. T'es un rectangle. T'es un rectangle pour la vie. Tu ne vas jamais devenir autre chose. Mais je peux regarder un rectangle en utilisant une référence de type shape. À ce moment-là, je vois les méthodes qui sont décrites dans la classe shape seulement. Oui? On ne peut pas faire C égale à S parce qu'on part de général vers spécifique. Spécifique vers général fonctionne. Spécifique a hérité de toutes les caractéristiques. Au moment de l'exécution, il est donc impossible que cet objet n'ait pas les méthodes de la superclasse. C'est vraiment très, très logique. Votre cours 48. Logique, tout ça est très logique. OK, donc ici, c'est écrit en anglais d'abord parce que c'est tiré de la spécification du langage. On peut regarder ça en français. Donc, une variable, c'est un emplacement de la mémoire qui a un type associé et qui renferme toujours une valeur qui est compatible avec son type de compilation. Si j'ai un type de compilation S, donc j'ai une variable de type S, je peux lui affecter la référence d'un objet de la classe T pour autant que soit S et T, on parle de la même classe, ou sinon que S est une sous-classe de T. Donc le compilateur a été conçu comme ça,
C'est tout à fait logique. La seule chose que je peux mettre dans une variable référence, c'est des objets de la même classe ou des objets d'une sous-classe. S'ils sont d'une sous-classe, ils possèdent forcément les caractéristiques de la superclasse. Puis quand on fait ça, on appelle la méthode isLeftOf polymorphique. Une même méthode, elle fonctionne pour des cercles, des triangles, des rectangles. Puis la beauté de cette chose-là, c'est j'ai une idée incroyable, une forme à 6 côtés. Je ne sais pas, je suis sûr que ça n'existe pas, là. Je vais lui donner un nom, je vais appeler ça un hexadécimal. Est-ce que c'est hexa? Oui. Hexagone, hexadécimal, hexagone. OK, donc on va aller sur Kickstarter, on fait une campagne, on veut vendre des hexagones. Donc, class hexagone extends shape. Ça marche. Je peux passer la référence de cet objet-là à isLeftOf. Parce que forcément, l'hexagone a hérité des méthodes getX, getY. On a tout ce qu'il faut pour implémenter la méthode isLeftOf. C'est bon? Oui. Oui. Quand même beaucoup. Tu me dis, c'est juste ça. Ben c'est, je suis d'accord avec toi, c'est pas bien compliqué, mais c'est super utile. C'est polymorphique. OK. Là, on était pas mal bon. On a fait juste ça. On a créé isLeftOf. Ça fonctionne avec n'importe quelle forme géométrique. Bravo, on est bon. On va essayer de faire un autre exploit. On souhaite que toutes les formes géométriques possèdent une méthode pour le calcul d'air. Très subtil, là. Toute forme géométrique. Donc là, on est vraiment là, on veut contrôler tout, là. On veut qu'il soit impossible d'avoir une forme géométrique qui n'a pas une méthode pour le calcul d'air. C'est ça qu'on veut. Est-ce que vous connaissez une méthode universelle qui peut calculer l'air? On intègre sa surface. Ça va être pas super simple, là. si on connaît pas son implémentation. Donc, est-ce que je peux déclarer une méthode pour le calcul d'air, getArea, dans la superclasse? Difficilement. Est-ce que je peux, ma question pour être plus précis, est-ce que je peux l'implémenter dans la superclasse? Probablement pas. L'air, ça devrait être quelque chose qu'on va implémenter dans les sous-classes. J'ai un cercle, j'ai une formule qui calcule l'air. J'ai un rectangle, j'ai une formule qui calcule l'air. J'ai un triangle, j'ai un hexagone, j'ai des méthodes dans les sous-classes pour le calcul de l'air. Mais moi, là, je veux vraiment que toutes les formes géométriques possèdent une méthode pour calculer l'air. Other, de type shape, je veux être capable de faire un appel à la méthode area de l'objet désigné par other. Je suis une méthode d'instance, compare to, de la classe shape. Je veux être en mesure d'appeler ma méthode area, ou this area si on veut. Donc, vous êtes un compilateur. Est-ce que vous compilez ça? Je peux implémenter dans chacune des sous-classes. Mais là, j'ai écrit « compare to » parce que j'avais l'idée que j'allais déclarer un tableau de forme géométrique, mettre dedans « cercle, 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 rectangle, rectangle, triangle, rectangle, rectangle ». Donc, j'ai des formes, c'est un tableau
dont les références sont de type shape. Je mets des formes géométriques, puis je veux le trier en ordre croissant d'air pour ces formes-là. Donc, j'ai écrit une méthode compareTo. Juste la réponse oui ou non. Est-ce que ça, ça compile? Non. Le compilateur, lui, il dit « other » de type « shape », est-ce que je vois le nom « area » ici? Pas tout. Le compilateur va dire « area, undefined symbol, je ne veux pas compiler ça. » Comment est-ce que on pourrait contourner ça si on est un hacker? Donc, je ne veux pas de réponse abstraite, là. Je voudrais quelque chose de bien concret comme réponse. Oui? Non. Pas là. Bien, on va pouvoir, mais pas là. Je veux un hack, là. Je veux quelque chose de hacker. Oui? On ne peut pas accéder des on peut pas affecter des méthodes à des variables en Java. Oui, mais OK, on pourrait déclarer une variable R, mais là, imagine. Il y a un étudiant, il n'est pas dans la classe, puis il n'a pas activé son compte Echo 360. C'est l'inventeur du Pentagone. Il a fait class Pentagon extends shape. Il n'avait pas compris ton idée que lui, il fallait qu'il y ait une méthode area, fallait qu'il affecte une valeur à la variable area. Ça ne marche pas notre affaire. Vraiment, juste répondre à ma question. Comme hacker, regardez ça, je veux que ça compile. Qu'est-ce qu'il faut que j'aie pour que ça compile? Oui? Une méthode area dans shape. Il faut que j'aie une méthode area dans shape. Ça, c'est le truc hacker. Je suis en train de pitonner, là, puis ça ne compile pas cette affaire-là. Il me dit, j'ai pas de méthode area, parfait, je t'en donne une. On s'est entendu qu'on ne pouvait pas faire quelque chose d'intelligent. Mais on est des hackers. Fait que, on va définir une méthode area, puis on va dire, retourne la valeur moins 1. C'est pas une valeur logique, valide. On appelle ça une sentinelle. Ça dit, n'est pas implémenté, tension, warning. On va demander aux sous-classes, vous devez donner une implémentation de la méthode area. Sinon, on va retomber sur celle-là. Puis celle-là, elle ne marche pas, elle est buggée. Fait que là, on se fie aux programmeurs des sous-classes pour nous fournir une nouvelle implémentation de la méthode area. Elle va masquer celle-là. On a dit l'héritage, ça permet d'hériter des méthodes, d'hériter des variables, ajouter des choses et aussi redéfinir. Donc, on peut, dans une sous-classe, avoir une méthode area, elle va masquer celle-là. C'est quoi le problème avec ça? Oui? C'est ça. C'est notre étudiant qui travaille sur le Pentagone ou sur l'Hexagone. Il n'était pas ici. Il ne sait pas, lui, qu'il fallait masquer ça. Ça ne marchera pas. Alors, c'est quoi la solution Java? La solution Java, c'est de déclarer une méthode abstraite. Ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé. On a déclaré une méthode abstraite. Pourquoi on a fait ça? Bien, le compilateur est heureux. Le compilateur dit, OK, other est de type shape. Shape possède une méthode area. OK. La beauté de ce truc-là, c'est qu'on est en train de déléguer le travail aux sous-classes. À partir de maintenant, si on essaie de compiler une sous-classe, donc Circle, puis on pourrait faire le test.
Mais je ne peux pas faire le test sans vous vendre un autre punch. Fait que je vais continuer à parler, puis on va implémenter la chose dans une seconde. OK, donc, en mettant une méthode abstraite dans la superclasse, on est en train de dire aux sous-classes, vous devez implémenter une méthode area. Qu'est-ce que ça veut dire en Java? Vous devez, ça veut dire que ça ne compile pas à moins qu'il y ait une méthode area. C'est un contrôle. Maintenant, la superclasse a dit, hey, vous voulez être des formes géométriques, vous devez avoir une méthode pour le calcul de l'air. J'en ai besoin parce que ça me permet d'écrire des choses comme compare to, une méthode qui dépend de la présence du nom area. Oups. Là, imaginez que je serais capable de compiler cette classe-là. Imaginez que je peux compiler la classe Shape. Si je peux la compiler, je pourrais aussi créer un objet de la classe Shape. On s'entend? Si elle est compilée, je peux créer un objet. Si je crée un objet de la classe Shape puis qu'il y a un appel à sa méthode Area, qu'est-ce qui va se passer? Rien de bien bon. Il n'y a pas de code. Donc, quand une classe déclare une méthode abstraite, la classe doit être abstraite. Une classe abstraite, on ne peut pas créer d'objet de cette classe-là. Elle sert à mettre le code qui est en commun pour les sous-classes. Il est là, il est hérité, mais il est impossible de créer d'objet. Fait que là, on se dit, wow, maudite bonne idée. Ça veut dire qu'il est impossible de créer un objet de la classe Shape. Donc, je n'aurai jamais au moment de l'exécution du code qui va dire appelle la méthode area d'un objet de la classe Shape. Il est impossible de créer des objets de la classe Shape. On ne peut que déclarer des objets des sous-classes. OK, on va jouer avec du code pour un peu. C'est abstrait. Ça dit ceci est une classe abstraite, ceci est une méthode abstraite. Donc, n'a pas d'implémentation. C'est comme en mathématiques, c'est abstrait. C'est un peu comme en algèbre, c'est des choses qui sont abstraites. Donc ici, on va jouer avec ça. Je suis dans la superclasse Shape. Je veux forcer les sous-classes à posséder une méthode area. Public. Abstract, double, area, comme ça. Là, je vous ai dit, une classe qui n'est pas abstraite, qui déclare une méthode abstraite, ça ne compile pas. C'est là où vous dites, je te crois pas. OK, parfait. Java C shape. Oh, il faut que j'aille sur desktop. Java C shape. Shape is not abstract and does not override, remplacer la méthode abstraite area. Il n'est pas content. Il a bien raison. On va maintenant mettre le mot-clé abstract. On essaie de compiler ça. Ah, il est heureux. OK. On va aller dans notre test ici. On va éliminer tout ça, tiens. On va faire shape S. Est-ce que ça marche? On va aller compiler Java C test.java. Oh, ça compile, c'est bon. S est égal à new shape. Je pense que j'ai un constructeur sans paramètres. On va essayer de compiler ça. Il dit non. Shape is abstract. On ne peut pas créer un objet de la classe Shape. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique parce que s'il y avait un objet, on pourrait appeler sa méthode area. Il n'y a pas de code associé à la méthode area.
OK, fait qu'on ne peut pas faire ça. Parfait, on ne le fait pas. On va s'assurer que maintenant ça recompile. C'est bon. Là, si on regarde dans ma classe Cercle, Cercle est une sous-classe de Shape. Est-ce que Cercle possède une méthode Area? Non. Qu'est-ce que le compilateur devrait me dire? Il devrait me dire, tu n'as pas implémenté la méthode area, tu n'as pas respecté le contrat. Circle is not abstract and does not override abstract method area in shape. Il me dit, tu ne peux pas me prétendre d'être une forme géométrique à moins que tu aies une méthode area. J'ai besoin, je suis un control freak, je vous force à en avoir une. Ouais. Oh oui. Oh oui. On n'a rien brisé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre sous-classe ici, public, woohoo, public, double, area, return. C'est Pierre Carré, c'est ça? Donc, math, pi, est-ce que c'est ça, fois radius, quelque chose comme ça? Hey, pas si mal. Fait que là, le compilateur est heureux, il dit, OK, tu veux être une forme géométrique, parfait, tu dois me donner une méthode area. Je lui en donne une, il dit c'est beau. Pourquoi c'est intéressant? Bien, c'est intéressant parce que maintenant, si on revient à notre exemple ici, qu'est-ce qu'on peut passer à la méthode compare to? La référence d'objets qui sont des sous-classes de shape. Bien, il est impossible de compiler une classe qui serait une sous-classe de shape à moins de fournir une méthode area. Donc, ça va marcher, toujours. C'est logique. Oui? Après ça, lorsque je crée la méthode area, j'enlève abstract. Bien, celle qui a été déclarée dans la sous-classe masque celle-ci. Donc, le abstract reste. Celui-là, il faut qu'il reste là. Il faut qu'il reste là. Sinon, ça ne compile pas. Ça, c'est la façon Java ici, pour Java, c'est clair. Other est de type shape, appelle méthode area. Other, ce sera la référence d'un objet qui est une sous-classe de shape. Il est impossible de compiler une sous-classe de shape à moins que le programmeur nous fournisse une implémentation pour la méthode area. C'est cool, hein? Alors, vous voyez, donc Java est vraiment un langage pas mal puissant, pas mal de beaux principes. Donc, une méthode abstraite, on déclare ça dans la superclasse, qu'on veut forcer les sous-classes à nous donner une implémentation pour une méthode. Il est impossible de compiler une classe qui possède une méthode abstraite, à moins que cette classe-ci ne soit elle-même déclarée abstraite. Puis un petit détail, pas hyper important, on pourrait décider qu'une classe est une classe abstraite même si elle n'a pas de sous-classe, de méthode abstraite. Juste pour le principe qu'on souhaiterait rendre impossible la création d'objets de cette classe-là. Pourquoi on voudrait rendre ça impossible? Dans mon exemple de classe bancaire, de classe de compte bancaire, le rôle de la classe Bank Account, c'est d'être le liant. C'est tout ce qui est commun aux sous-classes
est là. Dans le système, je veux des objets checking account, banking account, student account, etc. Mais je ne veux pas d'objet de la classe bank account. J'ajoute le mot-clé abstract. Il est impossible de créer des objets de cette classe-là. Une question intéressante maintenant, c'est mais comment Java s'y retrouve pour trouver les bonnes méthodes à appeler? Donc ça, on appelle ça la recherche de noms. Comment est-ce que Java sait où trouver les bonnes méthodes? Je vous propose un petit exemple simple et artificiel. J'ai une super classe account qui déclare une méthode publique getID. Il y a une sous-classe de ça qui s'appelle bankAccount, où j'ai une façon d'obtenir le solde, puis une façon d'obtenir les frais mensuels. Il y a deux sous-classes, checkingAccount, savingAccount. En UML, quand vous voyez le titre en italique, c'est généralement parce que c'est une classe abstraite. Donc, bankAccount est abstraite, a deux sous-classes, savingAccount, puis checkingAccount. Dans mon petit exemple, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai une méthode getMonthlyFee dans la superclasse. Elle calcule de façon simple les coûts mensuels pour ce compte-là. Mais dans le compte savingAccount, j'ai remplacé l'implémentation. Je vous donne des exemples concrets de ça. OK, donc, je vous montre le code. On va fermer ces choses-là. On va ouvrir. Donc, account, ça a l'air de ça. La classe account a un identifiant. On s'est assuré que chaque objet de la classe account qui a été créé a un identifiant unique. On a un getID. On va ouvrir maintenant bankAccount. BankAccount, c'est une sous-classe de account. J'ai un solde. J'ai une méthode pour retourner le solde. J'ai une méthode pour changer le solde. J'ai ajouté ici des petits énoncés pour afficher, pour qu'on sache où est-ce qu'on passe. On va ouvrir maintenant les sous-classes. Checking account est vraiment simple. C'est une sous-classe de bank account. Puis dans le constructeur, j'affiche un petit message. On va aller chercher saving account. Saving account va être un petit peu plus compliqué. OK, l'indentation. J'utilise pas d'habitude Sublime pour programmer, ce qui explique que l'indentation n'est pas super belle. On va corriger tout ça comme ça. Donc, saving account, c'est un type spécialisé de bank account. C'est un type spécialisé où on a remplacé la méthode pour le calcul des frais mensuels. Puis ce qu'on a fait, c'est si le solde est supérieur à 5 000 $, les frais sont zéro. Et sinon, on va utiliser ici une autre forme de super, où on peut dire super nom d'une méthode, puis ce que ça veut dire, c'est appelle la méthode super qui est déclarée dans la superclasse immédiate. Donc, celle qu'on a déclarée dans la classe BankAccount. OK, ça c'était mon code. OK, donc, j'ai une méthode getMonthlyFee dans la superclasse qui est simple, puis j'ai une méthode dans la sous-classe qui est un peu plus compliquée, qui regarde le solde,
qui retourne zéro, et sinon retombe sur la méthode initiale. Puis là, on regarde du code. Donc, j'ai A, référence de type account, B, de type bank account, S, de type saving account. Je crée un objet saving account. Est-ce que je peux sauvegarder sa référence dans S? Mais oui, c'est le même type. Oui. J'appelle la méthode getMonthlyFee. Quelle méthode est appelée? Celle de la classe SavingAccount ou celle de BankAccount? SavingAccount. Puis ici, ça devrait être assez simple. Oui, c'est celle de SavingAccount qui est appelée. Est-ce que je peux dire B égale à S? Oui, puisque Saving Account est une sous-classe de Bank Account. Ça marche. J'appelle la méthode getMonthlyFee de l'objet désigné par B. Donc, à ce point-ci, S et B sont deux variables références. Désigne toutes les deux le même objet. C'est un objet de la classe Saving Account. Quelle méthode est appelée? Qui est-ce qui vote pour Saving Account? OK. À peu près la moitié. Qui est-ce qui vote pour Bank Account? Un tiers. Quelles sont les abstentions? Pourquoi vous vous abstenez? Vous ne perdez rien. OK. La bonne réponse est la méthode qui est définie dans Saving Account. C'est la méthode de l'objet. On va toujours dans l'objet. Peu importe le type de la référence désignée, on va dans l'objet. On dit, tu es de quelle classe, toi? Ah, moi, je suis un objet saving account. Y a-t-il une méthode getMonthlyFee dans saving account? Ouais, exécute celle-là. Ce ne serait pas avantageux, ce serait inutile de permettre un mécanisme de redéfinition des méthodes si les redéfinitions n'étaient pas utilisées. Donc, c'est toujours la plus spécialisée des méthodes qui est utilisée. Oui? B est une référence de type bank account. B n'est pas un bank account. C'est une variable référence. Je peux l'utiliser, c'est des lunettes, là. Je peux l'utiliser pour regarder un objet qui est consistant par rapport au type bank account. Pas ce que je viens de dire juste là? OK, on recommence. B.getMonthlyFee. Je suis visuel, là, il y a une référence, là, je saute dans l'objet. OK, l'objet, je suis dans l'objet désigné par B. Je demande à l'objet, de quelle classe es-tu? De quelle classe est-il? L'objet désigné. C'est à toi, là, je m'appelle. Oui, oui, je m'adresse à toi. T'as posé la question. C'est de type saving account. OK. Je vais dans la classe saving account. Est-ce qu'il y a une méthode qui s'appelle getMonthlyFee? Oui, je l'utilise. C'est aussi simple que ça. Derrière. Pardon? Est-ce qu'on peut créer un objet de la classe BankAccount dans ce contexte-ci? Non, c'est une classe abstraite.
Si j'avais bank account, on l'appelait D. D est égal à new bank account. Évidemment que on utiliserait la méthode décrite dans bank account. Il est difficile d'imaginer pourquoi on chercherait dans les sous-classes. Pas vraiment de raison. C'est bon? Oui? Bien, il y en a une qui est irritée. Est-ce que je peux dire A de type account égale à B? Oui. Quelle méthode va être utilisée? Je n'entends pas la bonne réponse. Ils sont où les compilateurs, là? Est-ce que A de type account, il est logique de faire un appel à getMonthlyFee? Mais non, ce n'est pas déclaré dans la classe account qui était tout en haut. Ceci donne une erreur de compilation. OK? Je voulais juste voir si vous étiez réveillé, là. Ah, OK. OK, donc. Tu n'as pas capté le dernier truc? Regarde le diagramme. Account. En haut, là, est-ce que tu vois une méthode getMonthlyFee? Tu es un compilateur. Je vais changer de couleur là, pour qu'on voit. Hop là. A de type account. Compilateur regarde ça, il dit « Ah, est de type account, getMonthlyFee. » Je m'en vais voir dans la classe account. Je ne vois pas de méthode getMonthlyFee. Je cause une erreur de compilation. Non, le compilateur, il ne regarde pas ton code, puis il se dit « Ah oui, je comprends. Regarde, en haut, il y avait sauvegardé dans B un objet. Hey, je pense que c'est la bonne classe. » Si le compilateur était si intelligent, vous auriez tous A+ dans vos devoirs. Tu aurais écrit « Résous devoir 1 », compilateur prend ça, il dit « Hey, méchant problème intéressant et que j'ai du fun », puis là, il aurait compilé une solution. Non, compilateur est bête. Compilateur regarde ça, il dit, puis là, on ne voit plus rien. Je vais enlever des choses, là. On puisse voir. Compilateur est vraiment une chose très simple. A de type account. Y a-t-il une méthode getMonthlyFee dans account? Nope. Erreur de compilation. A égale à S. Est-ce que ça, c'est valide? On va de spécifique à général. Cet énoncé-là est valide. Est-ce que ça change quelque chose ici? Mais non. Chaque énoncé est regardé en isolation. C'est ce que je disais. Le compilateur, il ne regarde pas puis il dit « Ah oui, check ça, juste en haut, là, il a affecté quelque chose de pas mal de fun. Peut-être ça va marcher. » Non. Il regarde ça, il dit « A de type account ». Est-ce qu'un objet account ou est-ce que la classe account donne accès à une méthode getMonthlyFee? Pas du tout. Ça ne compile pas. Oui? Donc, le compilateur, il regarde, il voit si la méthode est dans account, et si elle est dans account, il fait l'analyse des types. Il dit, est-ce que ça, c'est logique? Il dit, A, ce qu'on peut mettre dans A, c'est la référence d'objets qui sont des sous-classes
de account. On peut imaginer que account aurait d'autres sous-classes que bank account. On peut imaginer des comptes Amazon, des comptes autre chose. Ça peut contenir n'importe quoi. Donc, ici, le compilateur, son analyse, c'est tout le temps B est de type bank account. Est-ce que la méthode getMonthlyFee est décrite là? Ouais, super. Il ne se pose pas plus de questions. Il dit forcément, au moment de l'exécution, de façon dynamique, les seuls objets que B peut désigner, ce sera des objets bank account ou des sous-classes. Ces objets-là auront cette méthode-là ou une redéfinition. On s'en fout qu'elle soit redéfinie ou pas, là. Au moment de la compilation, on veut juste savoir, est-ce que ça se peut que ça cause une erreur d'exécution? Ben non. Il y a une méthode getMonthlyFee, elle est dans bank account, c'est sûr que ça va marcher. Il se pourrait même que la sous-classe en ait une nouvelle déclaration. Oui. Oui. Checking. Oui, ils sont toutes les deux. C'est transitif, ce machin-là. Si ma grand-mère était account, moi, je suis une sous-classe de account, mes enfants seront aussi account. Tout ce que tu hérites, tu le redonnes à tes enfants. Oui, il faut que ce soit connecté. Il faut qu'il y ait des extends, il faut que ce soit des sous-classes. Ici, ça ne marche pas. Non. Non. Donc, il faudrait que ce soit account. Il faudrait que account ait une méthode getMonthlyFee pour que ça marche. OK, mais si bank account a une. Bank account en a une. Bank account en a une. Derrière. Si account avait un getMonthlyFee, oui. Le getMonthlyFee qui serait appliqué, c'est celui de saving ou c'est celui de account? Ce serait celui de saving. Saute dans l'objet. Tu demandes c'est quoi ta classe, tu vas dans la classe. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Le mécanisme de recherche de nom, il débute avec la classe de l'objet, pas la classe de la référence, la classe de l'objet. S'il y a la méthode est là, on l'utilise. Sinon, on va aux parents. Est-ce qu'il y a une méthode là? Non. Ça remonte vers le parent. Puis vous pouvez vous convaincre que, par construction, au moment de la compilation, il est impossible que ces objets-là n'aient pas le nom en question. Deux, trois petites idées. Il existe en Java une classe qui s'appelle Object. Ah ben. Donc, il y a une classe Objet. Java utilise lui-même l'héritage abondamment. On a parlé des classes enveloppantes, les wrappers. Double Integer sont des sous-classes d'une classe qui s'appelle Number. Number est une sous-classe de Object. Tout est orienté. Tout est organisé sous forme de hiérarchie dans la librairie Java. Un autre élément intéressant, si on ne déclare pas une classe comme étant une sous-classe d'objet, ça se fait tout seul. Donc, si je ne dis pas c'est qui mon parent, automatiquement mon parent c'est objet. Okay. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que toute classe
est une sous-classe d'objet ou est une sous-classe d'une classe qui est une sous-classe d'objet ou est une sous-classe d'une sous-classe qui est une sous-classe de qui est une sous-classe d'objet. Donc, il est impossible en Java de créer une classe qui n'est pas directement ou indirectement connectée à objet. Pourquoi c'est le fun? Ça veut dire que tout objet possède une méthode equals, une méthode toString. Donc, il y avait une discussion à un point où quelqu'un avait dit, « Ah oui, mais tu appelles la méthode equals. » Mais pourquoi ça marche? Ça marche parce que toute classe est connectée directement ou indirectement à objet. Tous les objets de Java héritent de ces méthodes-là. OK. Est-ce qu'il est possible d'implémenter une méthode equals universelle? Ouais. Ben, ça peut faire ce que tu veux poser, mais. OK. Si tu n'écris pas extend object, Java rajoute tout ça. Mais si on écrit quelque chose comme extend shape, shape est une sous-classe d'objet. Donc, il est impossible que tu n'hérites pas de ce qui vient d'objet. Est-ce qu'il est possible d'écrire une méthode equals universelle? Pas vraiment. Comment la méthode equals peut donc être définie dans la superclasse objet? Comme ça. Elle n'est pas super intéressante. La méthode equals, qui est définie dans la superclasse objet, elle fait juste dire, est-ce que this est la même chose que la valeur du paramètre? On ne va jamais faire des appels « est-ce que A equals A? » On ne fait jamais ça. On veut comparer à d'autres objets, puis on voudrait savoir si les contenus sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? En Java, il faudra toujours soi-même définir une nouvelle méthode equals. Elle va masquer celle-ci, puis on aura des méthodes equals fonctionnelles. OK, donc je pense que c'est là qu'on va arrêter parce que je ne sais pas pourquoi, depuis tantôt, la porte s'ouvre et se ferme de façon automatique. Là, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si c'est un truc que les étudiants font pour nous mettre dehors. OK, je vais rester quelques minutes si vous avez des questions.